Bonjour à tous et à toutes. Donc me revoilà. C'est toujours mon anniversaire. Joyeux anniversaire Hélène. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Elle me regarde. Ça c'est ma soeur qui me regarde. Elle disjoncte. Non, elle disjoncte pas. Elle me regarde. Elle a le droit. Eh, j'ai mis mes dents. C'est vrai? J'ai mis mes dents. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Tu les avais pas hier? Non, hier je les ai pas mis. Oh, pas bien. Les photos, elles vont pas être belles. Tu es pas sur les photos, c'était l'anniversaire à Jean hier. Avant-hier, je les ai mises. Bah quand on était toutes les deux avec Jean, tu avais un beau sourire quand même. Ah ouais, mais non, je les avais pas. Tu avais pas ton râtelier, hein? J'avais pas mon râtelier. Ah ouais, tant pis. Mais de toute façon, les photos avec Jean, on les publie pas. Hein. Il va pas être d'accord. Donc, on publie que ce qu'on a le droit de publier. Attention, hein, le droit à l'image. Mon grand frère, il a dit non, il veut pas être sur les réseaux ni rien du tout. C'est pas bien ça. Il aime pas. Après, c'est son choix. Donc, je vais repasser à mes petits colis. Et mes petites enveloppes et mes grandes enveloppes. Donc là, je vais faire une ouverture, ça vient de Marie-Pierre, Marie-Pierre du 62. Donc je vais ouvrir, je basculerai la caméra après, là. Parce que comme ça, vous verrez pas les adresses. Ah ah ! Parce que je les floute en général, mais ça peut m'arriver d'oublier de flouter la mienne. Il paraît, soi-disant, d'après ce qu'on m'a dit, qu'on verrait sur une de mes vidéos mon adresse. Mais je ne sais pas laquelle. Hop ! Donc je mets l'enveloppe là. Je sors tout et puis je vous bascule après. Là. Parce que là, il y avait l'adresse. Et là, il y a mon adresse. Donc je vous bascule, à tout de suite. Et vous êtes toujours de travers, je ne comprends pas pourquoi vous êtes de travers. Pourquoi mon... Ah, c'est bizarre ça que vous êtes de travers à chaque fois. Là. Donc elle m'a fait, je pense que ça doit s'appeler un flip blue. Un flipbook. Dans un peu, c'est un papier qui fait un peu toile de jute, chose comme ça. Elle a mis une découpe joyeux anniversaire. Voilà. Et puis là, une découpe d'angle avec des roses. C'est joli. J'ai pas de découpe comme ça. C'est joli. C'est très joli. Donc on va regarder. Il y a plein de choses à l'intérieur. Est-ce que je peux faire voir tout ou pas? Ah ah! Voyons voir. Et je sais pas comment tu l'as fait. C'est de la colle avec des paillettes sans doute. Il y a mon prénom. Il est drôlement bien écrit. Regardez comme il est bien écrit mon prénom. Et j'ai l'impression que c'est de la colle et que tu as mis des paillettes dessus. C'est joli, des découpes de fleurs avec un petit strass dessus là pour faire le milieu de la fleur. Donc c'était recouvert pour protéger avec une jolie serviette de pastèque. Très jolie serviette de pastèque. Donc là elle a un petit peu pris la colle, mais c'est bien pour protéger, c'est une bonne idée. C'était comme ça, ça protégeait. Il y a une autre serviette en papier avec des petits ballons. C'est joli. J'adore. Des petites serviettes comme ça avec des petits ballons. Ça, c'est rigolo. Ça me donne des idées. Je vais mettre là. Une autre serviette un peu genre Vichy. En couleur marron. Un marron très clair. J'adore aussi. Tu m'as mis plein de découpes. Ouh là là. Il y a plein de découpes.
Elle m'a mis plein de découpes. Alors, elle est où ma plaque pour faire voir? Je réfléchis, où est-ce que peut être ma plaque? Est-ce que j'ai une plaque noire et blanche? Noir d'un côté, blanc de l'autre. Je vais faire pause, je cherche ma plaque et je reviens. Donc, je vais vous faire voir au fur et à mesure. Donc là, il y a des découpes de fées. Là, elle fait comme ça. La petite fille avec son petit poussin. Une fée comme ceci. Là, avec la lune et les étoiles. Le petit train avec marqué ABC. La petite poussette. Puis ça, c'est une lampe. Une lampe comme ça. Donc, je vais continuer à vous faire voir. Je vais les poser par là. Tic, tic. Tic, tic. Donc là, une petite bougie. Et par contre, gris sur noir, ça va peut-être pas se voir. Le petit cheval. Une petite fée, la petite fille au ballon, une sirène, des étoiles comme ça, la lune, des petits cœurs, les cœurs festonnés, ben vous savez pas, c'est que je me suis acheté la matrice, ça devrait arriver, sur, j'ai trouvé sur AliExpress, je sais pas si ça sera exactement la même matrice, j'espère. Des petits cœurs comme ça, ce que je trouve c'est trop bien les petits cœurs comme ça festonnés, j'adore. Des petits cœurs comme ça, hop, là, la lune, dans du papier craft, veux pas venir avec moi la lune, hop, la lune. La jolie dame comme ça. Là j'ai deux découpes comme ceci en festonné, en plus grand. Et là on dirait qu'il y a eu des paillettes de mise dessus. Peut-être avec un crayon paillettes. On dirait que ça a été mis dessus. Là, on a une licorne. Hop. Une jolie licorne. Voilà, je vous fais voir. Donc, des étoiles, des cœurs. La petite licorne. La sirène, la petite fille avec ses ballons. Des petites lunes. La dame, là, elle est jolie, cette petite dame-là. La fée là sur sa lune. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup Nicole. Hop, je mets sur le côté. Faire voir. Hop. Et là, oula. Elle m'a mis des coins. Alors là, c'est du muguet. C'est beau. On dirait des clochettes de muguet. Là, c'est une découpe comme tout à l'heure avec les roses. Et là, c'est un coin avec des fleurs autrement, comme des marguerites. Ils sont beaux, tes coins. Ils sont beaux avec les roses. Là, on dirait vraiment le muguet. Et puis ça fait plus un peu genre marguerite. C'est beau. Merci beaucoup Nicole. Hop. Et il y a aussi des découpes de Memory Dex. Comme ceci, une découpe comme ceci. Et puis une découpe de livres avec les embossés. Ça fait les lignes. Ça j'adore aussi. J'adore ces découpes-là. Je sais pas où tu as trouvé le dies, mais c'est trop joli.
Hop, je mets sur le côté. Là, on a une découpe comme ceci. Un peu un genre de bordure. Bordure qu'on peut coller sur un côté de carte ou voilà. On reprend un peu, on fait une ligne droite. Et puis on peut s'en servir comme ça. Voilà. Ici, il y a le petit mot. Là, il y a un bouquet de fleurs. Genre comme si c'était aussi des petites marguerites. Donc c'est une très jolie découpe. Et puis il y a des demi-perles. Elles sont trop belles, ces demi-perles. Et là, elle a fait une pochette. Une jolie pochette. Et puis il y a la date au dos, 4 août. Et sa chaîne, c'est Marie Activité, Scrap et autres loisirs. C'est Marie-Pierre. Je mettrai en barre d'infos la chaîne. Alors là, j'ai des serviettes. Serviettes d'automne. Alors c'est bien parce que j'en ai pas des choses comme ça. Pourquoi il clignote son téléphone ? Bizarre. Le téléphone de ma soeur, il est bizarre, il clignote. Mais il clignote ton téléphone. Je suppose qu'il a son téléphone et il bégouette. Il a un souci. Bah ouais, il est bizarre ton téléphone. Ouais, faudrait que j'enlève la pile. Et là, donc, une serviette un peu plage. Ça, c'est beau, ça. Santa Monica. Une jolie plage. Puis là, c'est plus une serviette avec la bougie. Et puis, comment ça s'appelle ça? C'est de la cannelle qui est autour. C'est, ouais. On s'en sert souvent à Noël de ça. Ça me fait penser à Noël. Du vin chaud. Ah, du vin chaud. De la cannelle dans le vin chaud. Et moi, ça me fait penser à Noël, cette serviette. Donc, magnifique serviette. Donc, je lis le petit mot. Je lis le mot. Pourquoi je dis toujours petit? Donc, joie, bonheur et... C'est bien ça, du coup? Ouais. Merde, j'ai encore sorti un verre. C'est pas grave, hein, tu mets dans le lave-vaisselle. Bonheur, cadeau, entouré de ta famille, garde toujours de bonne humeur qui nous fait sourire. Joyeux anniversaire, bisous Marie. Alors, merci beaucoup Marie. Merci beaucoup. Donc, je vais ranger. Hop. Et après, je vais passer à un autre envoi. Donc, je vais essayer de remettre tout dans la pochette. Ça, c'était pas dans la pochette, je pense pas. Alors, j'ai un peu de mal avec la colle. La colle, Anatole. Alors, merci beaucoup Marie-Pierre. Hop, je pose sur le côté et je vais passer à... Ah bah si, tiens, la petite Marie-Pierre, il y avait aussi une découpe de bougie, comme ça. Petite découpe de bougie grise. Peut-être plus, j'oubliais. Parce que gris sur noir, c'est vrai que c'est pas pratique de faire voir du gris sur du noir. Pour ça, j'avais mis de côté. Donc voilà, je vais la mettre dans le petit sachet. Hop. Comme cela. Hop. Et voilà, j'ai un colis. Donc je vais ouvrir le colis. Je vais ouvrir le colis. Ah ah. Hop. J'essaye d'ouvrir autrement. C'est bien enveloppé, hein.
Il est bien enveloppé. Hop. Ils sont grandes les enveloppes. J'essaye de trouver. J'ai encore un morceau là à couper un peu. Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Oh bah c'est lourd. Hop hop hop. Oh là, les adresses. Que je cache l'adresse. Hop. Une très jolie boîte. Regardez comme elle est jolie la boîte. Ça, c'est fait maison. Ça, c'est une boîte qui est fait maison. Il y a du washi. Sur les côtés, il y a du washi là, tout ça. C'est un très joli papier fleuri de chez Action, je pense. Et il y a le papier papier Vichy là tout autour. Elle est magnifique la boîte. Donc je vais ouvrir. Alors il faut que je regarde comment qu'on ouvre parce qu'il y a des nœuds. Tilali, tilala. Tilali, lali, lala. Alors comment je peux ouvrir? Tilali, lala. Tilali, lala, lala. Tilali, tilala. Je reconnais le cordon. Enfin, c'est même pas un cordon, c'est quoi? Non, ombilical, non, c'est pas le cordon ombilical, Mimi. C'est de la cordelette de chez Action avec le petit fil de la rose. Rose. Métallique. Petit fil métallique. Là, ça y est, j'ai réussi à défaire. Parce que le problème, des fois, c'est quand on défait, c'est qu'on refait un nœud. On tire sur la bouclette et puis bah, on se retrouve avec un nœud à la fin. Alors. Ah non, c'est pas le cordon ombilical. Hein. Il y a un petit moment qu'il est coupé, le cordon ombilical. Hop, 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 hop. Là, ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi. C'est de la twing. C'est ça ce que je cherchais le mot. C'est de la twing. Et je la reconnais. C'est de la twing de chez Action. Oh, bah tiens, il y avait une découpe. Ça, c'est une découpe. Bah, c'est de Marie-Pierre. Tu vois, Marie-Pierre, bah, j'ai mis à côté et puis je ne l'avais pas vue. Pardon, excuse-moi. Donc j'ouvre la boîte. Waouh! Ouais, j'aime bien la boîte. J'aime bien la boîte. C'est de la récup, mais c'est bien. C'est de la boîte récup customisée. Ça, c'est bien. Rien ne se perd, tout se transforme. Une magnifique carte. Une magnifique carte dans les tons que j'aime bien, dans le violet, avec une découpe. Ça, je me demande si c'est pas des découpes de chez Action, des dies de chez Action. Peut me tromper aussi. Un fond violet que tu as fait. Bon anniversaire. Sur une... comme une étiquette. Découpe de fleurs, je pense que découpe de fleurs de chez Action et tu as mis du feutre argenté, je dirais bien du feutre argenté, les jolis petits papillons, les strass en forme de cœur, en forme de rond. Donc je vais lire le petit mot parce que je ne vous ai toujours pas dit de qui c'était. C'est de Zabou. Coucou, joyeux anniversaire, bisous. Merci Zabou. Je peux vous faire voir. Voilà. C'est joli. C'est joli. Le petit papillon, coucou. Le joyeux anniversaire. C'est magnifique.
Donc je vais mettre sur le côté. Là, il y a un très beau cœur. Il y en a un, non, il y en a plusieurs. On dirait des... Alors, je ne sais pas si c'est des découpes que tu as fait toi-même avec un dies ou si ça vient de chez Noz. Parce que je crois qu'il y a des personnes, des copinettes, qui ont trouvé des choses comme ça chez Noz. Et ça fait comme des petits napperons, mais en forme de cœur. Donc, soit c'est un dies que tu as. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai des dies avec plein de découpes. Comme ça, j'ai beaucoup de mal à le découper. Voilà. Et là, c'est un carnet customisé. C'est beau. Donc, il y a mon prénom, Hélène. C'est une belle journée. Des petits cœurs en strass. Des petits... comme des perles, mais c'est du strass, quoi. La découpe qu'elle est venue coloriser. Alors, je sais pas avec quoi tu l'as colorisée. Peut-être les encres à alcool ou peut-être autre chose. Hein. Un papillon, la jolie fée. J'adore la fée. Très jolie fée. T'as rajouté quelque chose sur les ailes, là. Ça fait un relief. Alors, est-ce que c'est ce qu'ils ont vendu il n'y a pas longtemps chez Action, là, les petites bouteilles comme pour faire les enamel dots? Une jolie découpe de feuillage. C'est beau. Et donc, ça me fait un petit carnet. Hop! Ah, j'y pense pas, moi, à faire ça comme ça. C'est simple et c'est très, très efficace, très beau. Moi, des fois, je cherche un peu à me compliquer les choses. Elle m'a offert de très jolis tampons, les clés, le cadenas. J'essaie de faire descendre la plaque. Voilà, on verra mieux. Différentes clés, cadenas. Merci beaucoup, Zabou. Et là, elle m'a mis des encres à alcool. Parce que c'est vrai que j'en ai pas acheté parce que... ça me paraissait tellement compliqué. Donc du coup, elle m'en a offert. Comme ça, je vais pouvoir faire des tests. Je vais pouvoir faire... essayer. Après, si ça me plaît, j'irai en chercher. Chez Action. Action, réaction. Donc c'est les couleurs vertes. Couleurs vertes, comme ça. Des petites pailles. Une paille cactus, une paille pastèque, une paille avec des ananas, avec des flamants roses, là, et puis là avec un petit flamant rose collé dessus, et des petits points. C'est un die-cut flamant rose que tu as collé dessus. Merci beaucoup. Et là, il y a des... comment on appelle? C'est comme des stickers, mais en 3D. Donc, il y a l'appareil photo, le petit cœur, là, avec le mot love, springtime... Happy Holiday, c'est ça, Happy Holiday, ouais, Happy Holiday, Spring, différents mots, art, cool, donc c'est des stickers ronds, en 3D, j'essaie de vous faire voir, mais avec la lumière, ça brille, voilà. Et puis là, c'est des choses qu'on vient coller sur les cartes. C'est autocollant. Alors, je ne saurais pas dire comment ça s'appelle. J'en ai jamais trouvé, moi, dans mes actions, des choses comme ça. Ça, j'en ai jamais trouvé. Je voyais passer sur les halls, mais moi,
J'en ai jamais vu dans mes actions. C'est Glitter Foam Stickers. Les stickers autocollants. Glitter, il y a des paillettes. Alors c'est joli, et puis en plus j'en ai pas. Donc merci. Merci beaucoup, Zabou. Donc je remets dans la jolie boîte. Hop. Je vais tout remettre dans la jolie boîte. Voilà. Hop. Là. Je me demandais ce que c'était. Elle est jolie ta boîte. Et hop, je vais remettre un petit peu le petit. Parce que là, on va essayer de préparer. On va préparer la table et puis pourquoi je fasse comme ça. Préparer la table puis préparer à manger parce qu'il est 11h15 déjà. Enfin, on a encore le temps. On a encore le temps. Alors je pense qu'il faut que je fasse comme ça et comme ça pour faire la boussette par-dessus. Voilà. J'ai trouvé l'astuce. Par contre, je sais pas comment tu as fait toutes tes bouclettes. Moi, je vais en faire qu'une. Parce que je sais pas faire tout plein de bouclettes. Donc, je vais me remettre face à vous. Hop ! Voilà ! Oh oui, c'est pas assez haut, ça. Donc, merci beaucoup, Zabou. Merci, Marie-Pierre, aussi. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je vais vous dire à très bientôt. Je vais arrêter là mes vidéos. Je vais essayer de vous en mettre une aujourd'hui. Et puis l'autre, je verrai peut-être demain. Parce qu'on a, des choses de prévues. On a des choses de prévues ensemble. Donc, ben, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous et toutes pour vos envois. J'oublie pas donc Nicolas qui m'a envoyé aussi un cadeau. J'ai ouvert la semaine dernière, vous avez vu la vidéo, et puis la première partie donc de l'envoi de Madeleine que je vous ai montré. Alors vous avez vu hein, pour Madeleine j'ai tenu quand même jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et pourtant ta petite pompon elle avait dit oh, si ça sent le chocolat, elle va l'ouvrir avant. Et j'avais pas eu l'idée de le sentir. Elle dit, ah bah ouais, tiens, c'est pas bête ce qu'elle a dit. Mais bon, ça sentait le papier, hein, ça sentait pas le chocolat. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains, copines. À très bientôt. Faites attention à vous. Bisous, bisous.